un moment de grande émotion pour la nation. Parce que Banislav, c'est beaucoup de nos compatriotes. Mais surtout que l'histoire du pays est marquée par esclavagisme et engagisme. C'est mon gouvernement en 2001 qui fait décrète le 1er février, jour férié, et là, je vous ai dit en toute justesse que le leader de l'opposition, Paul Béranger, il n'a à l'époque une contribution dans sa décision-là, parce qu'il m'a confié les responsabilités pour présider un select comité pour étudier toute la question et venir avec ma recommandation. Nous finalement, le public holiday act pour inclure 1er février et 2 novembre, Banzou férié dans la loi. Commémoration, abolition de l'esclavage, il n'est pas juste une date. Il veut dire qu'il nous réserve un système qui fait battre la dignité humaine, la dignité divine. Un système qui fait détruire la valeur, nous battre le grand du monde. Mais ben l'esclave n'a pas pu juste subir, donc il résistait aussi. Ce qui fait donne naissance marronnage. Et mon père et le monde, c'est tout un symbole de résistance devant l'esclave contre le crime qu'il veut te subir. Le monde, c'est un lieu de mémoire qui a aussi une classe patrimoine mondial de l'UNESCO. Ma soeur et frère de la communauté créole, je tenir à saluer votre contribution à faire de nos pays ce qu'il y était aujourd'hui. Je suis marche côte à côte avec les autres communautés pour construire sa nation mauricienne qui fait nous fierté. Je suis toujours croire dans un mauricien. Je suis toujours croire dans la justice sociale et partage équitable du gâteau national. Je suis capable de dire que mon gouvernement déterminé pour combattre la pauvreté et soutenir la famille qui est plus vulnérable. Nous pouvons beaucoup d'emphase dans l'éducation et la formation, qui donne toutes les chances à nos bons enfants. Nous pouvons développer un nouveau pilier de développement pour qu'il y ait dans la création d'emplois. Nous pouvons passer de pays en masse vers une meilleure destinée. Pour dans une nouvelle période, quand on commence à récolter fruits de travail, de reconstruction qui peut faire en 2015. Nous donnons l'année cruciale, quand nos priorités, c'est le redécollage économique. Moi-même, mon ministre, mon collaborateur, nous fait consacrer tous nos efforts pour qu'il va poser d'investissement démarre. Maurice couvre un grand sentier dans les mois à venir. Il est bon, me faire appel. Le premier miracle économique n'a pas été réalisé dans un an. Tu prends quelques années. Mon satisfait, qui nous donne bonne direction et qui, encore une fois, comme dans les années 80, nous pourra planir tout un obstacle pour mettre nos pays dans un autre palier de développement, progrès et prospérité. Je fais un appel au sens des responsabilités de tout le monde. Si l'esclavage dans son atrocité humaine n'est plus existé, nous devons faire attention à les autres formes d'esclavage. Et malheureux qu'il a dit, dis-moi l'esclave de la drogue, esclave de l'alcool, esclave de gambling. Aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour réfléchir à sa nouvelle forme d'esclavage qui permet une société. Le gouvernement peut assumer ses responsabilités. Mais bizarre qu'il y a une organisation socio-culturelle, ma force vive, ma ONG, mettre la tête ensemble pour libérer les victimes et assainir une société. Au niveau responsabilité du gouvernement, je vous dis, premièrement, nous construisons un filet de protection pour les vulnérables, pour les pauvres. Et ce n'est pas concerné juste ça dans l'esclavage, mais concerne bien sûr tout le monde sans distinction qui donne le besoin. Second responsabilité, nous devons encourager à l'effort. Parce qu'il donne tout gratuit, pas tout. Il n'est pas bon,
besoin de faire encourager nous pour faire des efforts dans l'éducation, dans la formation de travail et dans faciliter l'entrepreneuriat. Troisième volet, c'est aussi important, c'est le gouvernement la responsabilité de construire un pays sans discrimination. De l'eau, pour un petit ménage, je dis complémentaire, tu vas bien bien, c'est de l'eau et pour les soirs, vous avez un petit ménage en gratuit. L'électricité subventionnée, MBC est bien gratuit, Internet aussi est bien gratuit, sans oublier du riz, la farine, gaz, etc. Dans le logement, programme construction 2000 la case, le gouvernement qui a annoncé, ça pourra même commencer. Mon collègue Lila Dédicain, que mettre en place Marines pour lui, me tient ça pour aller. Budget d'école Z, pas école plus qui budget pour l'école normale. Déjeuner dans l'école Z est gratuit aujourd'hui pour tous les élèves. NEF, camarade Roupin, te donne 30 000 matériels scolaires cadeaux. Au niveau de la chambre des métiers, nous vous indiquez, ça possède beaucoup. Beaucoup vont descendre à l'esclave, je n'ai pas de métier noble. Mais qui passe à reconnaître maçon, charpentier, artisan de tout chose, ferrailleur. Et donc, sa chambre de métier-là, je viens reconnaître et valorise tout ce métier-là. Au niveau PCM, vous venez nous faire distribuer quelques semaines de cela 2000 gilets de sauvetage pour les pêcheurs. En tout cas, moi, je vous promets que mon cadeau, mon gouvernement, qui nous comporte tout. Une disposition nécessaire pour reconnaître comment bizarre un artiste pour assurer nous qu'ils sont capables de vivre et jouir de ce club sans qu'il y ait un piratage et nous assurer nous aussi qu'il y a une royalty qu'ils ont gagné de payer rapidement par RMS. En tout cas, moi, je prends l'engagement de faire toutes les semaines nécessaires avec le collègue Bagou. Nous sommes capables d'amener une vraie solution à l'artiste par cela. Nous sommes fiers que nous faisons partie d'un gouvernement qui n'est pas prisonnier par le lobby. Ça, c'est important, peut-être plus important que tout. Que le gouvernement va prendre la parole devant une cérémonie religieuse. Et nous pensons que ça va être cela, qui ne pas prisonnier le lobby, qui ne pas prendre la parole devant une cérémonie religieuse, qui est grandement aide à assainir la société mauricienne. La communauté de créole qui fait énormément d'efforts dans sa pays-là. Fait énormément d'efforts aussi pour se prêter les autres de la pauvreté pour arriver et pour faire une famille prospérer. Vous savez, tout ça va une famille créole. Parce que nous pas trouvé autres, souvent nous pensons que quand nous avons écouté, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie ça. Mais nous voulons saluer aujourd'hui l'occasion pour saluer toute une famille créole qui fait autant d'efforts dans l'éducation. Pour vos enfants l'école, après par l'université. Combien de docteurs il y a aujourd'hui? Combien d'avocats il y a aujourd'hui? Combien de professeurs? Combien de scientifiques? Combien d'intellectuels qui sont issus de la communauté et qui font la fierté de nos pays? Il ne faut pas donc qu'ils nous esclaves du passé. L'avenir là, il donne la main et l'avenir là, il apprend avec les deux mains. L'esclavage n'est pas le seul héritage de la descendance. Je suis aussi héritier de la culture et de la création artistique. Il est important qu'il nous informe de nos enfants, qu'il nous balance, qu'il fait beaucoup de sacrifices pour qu'ils nous vivent dans bien d'autres. Laissez-moi rappeler eux qui suite à vos missions à l'UNESCO en mai dernier et à vos demandes d'experts en ville Maurice pour aider nous à développer le paysage culturel du monde. Sa DXPA-là, pas juste, il vient prendre connaissance dans l'action en ce qui concerne le culturel du monde. Mais eux, ils nous suivent de nous l'assurance que l'UNESCO pour aider nous faire une feasibility study pour le développement économique du monde. Par exemple, améliorer la qualité de vie de nos habitants à travers la création d'emplois et la formation. Et en même temps, éliminer ma poche de pauvreté. Je finis une séance de travail avec Sadie Expera et je suis d'accord pour aider mon ministère à faire un musée de maraudage au monde. Mon ministère de travail pour faire un sénatorium dans le monde. D'autre part, pour développer la culture et la passion pour la lecture, nous pouvons un centre de lecture et d'animation culturelle dans le monde très prochainement.
Nous sommes les meilleurs copains et nous sommes les meilleurs amis.